Bon matin, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va moyen ce matin, parce que dans le fond, cette nuit, j'ai entendu un gros genre « pow » pendant la nuit. Puis là, en nuit, je me suis dit comme « bon, il y a quelque chose qui est tombé à terre, tu sais, genre le balai ou quelque chose, pas bien grave. » Puis, alors ça, je me suis dit genre « ah, c'est peut-être comme, tu sais, je me suis comme réveillée à cause de ce son-là qui était dans mon rêve ou quoi de même, en tout cas. » Je me réveille ce matin, ma tasse d'Avititi, tu sais, comme la beige avec le rose en bas, a été éclaté sur ma céramique à cause de mon chat qui l'a fait tomber. Je suis bien piste parce que tout le monde sait que des maudites de tasses d'Avititi, ben ça coûte genre 23$ là. Fait en tout cas, fait que je sais pas si je vais aller m'en racheter une nouvelle. J'aimerais ça, je sais même pas si c'est long encore, je sais même pas si la collection est comme finie ou je sais pas quoi. Je vais aller voir. Fait que c'est ça. Ça commence drôlement un matin. Puis, c'est pas mal ça. Fait que, aujourd'hui, il faut qu'on retourne au Costco aller échanger le manteau de Zach. Parce que ça y fait pas pantoute. Puis, ça, on avait d'autres choses à faire. Non, je pense que c'est ça. Fait que, là-dessus, ben, je vous souhaite une bonne journée. Puis, on va se reparler tantôt. L'en bleu de même. Puis, ton orange. Hein? Salut! Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Tantôt, je vous ai parlé, il était comme 7h25 le matin, puis là, il est rendu midi 45, genre, la fois de même. On est allé au Costco. On a changé le manteau à Zach, puis finalement, il a décidé de reprendre le même. Là. Je pense que je vous avais expliqué là, que si ça faisait pas, j'allais montrer les autres modèles, puis qu'il allait choisir. Puis finalement, il a repris le même, c'est lui qui aimait le plus. Puis, ben, il a essayé le noir, puis ça, il faisait pas vraiment bien. Fait qu'en tout cas. Fait que là, il a pris son manteau, fait qu'il est bien content. On est revenu dîner, genre, j'ai comme... j'avais pas full faim. C'était comme une genre de sandwich bar de peanut banane, tu sais, avec un yogourt. Fait que c'est ça, j'ai dîné. Pfff, elle est fatigante, elle est fatigante. Puis là, genre, on essaie de mettre le chien dans sa cage, parce que dans le fond, on la met dans sa cage pendant qu'on mange, là, ou pendant les enfants mangent, parce que sinon, elle va tout le temps comme sur la tablette à Jackson, puis elle arrête pas de manger tout ce qu'il y a dessus, tu sais. Fait qu'en tout cas, pis là, en essayant de la mettre dans sa cage, il y a un bout de mon plancher dans le salon qui est comme super glissant. Pis là, je suis tombée pis je me suis comme rentrée son... comme un barreau de sa cage dans le doigt, là. Pis là, ça m'a juste arraché la peau, tu sais, j'ai pas saigné ni rien, mais ça a fait vraiment fait mal. Fait que j'ai tombé. Mon Dieu, je tombe encore dans mon... avec... sur mon plancher à 21 ans, tu sais, quasiment 22. Fait que soit à ça, là, cet après-midi, ça risque d'être vraiment relax, on a vraiment rien d'autre de prévu. Zach a eu un comportement très désagréable et tout ce matin, donc il va passer une bonne partie de la journée à jouer tranquille dans sa chambre parce que c'est over, là, c'est son comportement, là, on est comme... moi je taboute en tout cas, là. Fait que c'est ça. Puis on attend des nouvelles pour notre truc, on va savoir en après-midi, puis comme dans le fond je vais vous dire... que ça marche ou que, tu sais, genre, qu'on ait des nouvelles positives ou des nouvelles négatives, je vais vous en parler de c'est quoi tout ça, parce que vient qu'à un moment donné, ben, faut que j'arrête de dire que c'est comme un genre de projet secret, là. C'est pas un projet secret, là, pour vrai, tu sais, c'est pas, genre, je m'affilie pas avec personne ni rien, là, c'est juste que c'est quelque chose de le fun qui se passe dans ma vie, puis je veux vous le partager, tu sais. Puis c'est ça. Fait que là, je pense que je vais aller écouter des vidéos, j'écoute rester couché dans mon lit. Je vais aller écouter le vlog de Jenina Gaumont. J'avais pas fini de l'écouter hier. Il me restait une ou deux minutes à écouter, je pense, une affaire de même. Puis moi, j'aime bien ça, comme écouter les vlogs au complet. Ben, écouter les vidéos carrément au complet là, jusqu'à la fin. Fait que c'est ça. Fait que je vais aller écouter ça. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est full normal que vous la connaissez pas. Parce qu'elle est vraiment. Elle est récente. Elle est nouvelle sur YouTube, là, elle a commencé hier, genre. Mais elle était venue m'écrire en privé, puis tout, là. Fait que c'est une de mes abonnées. Fait que c'est ça, fait que si vous voulez aller faire un tour sur sa chaîne, je vais vous laisser le lien en bord d'infos. C'est une fille aux études, genre en appartement avec son chum, pis ses deux chiens qui sont genre ben trop beaux, pis son gros chat. Fait que c'est ça. En même temps, genre, on va avoir des nouvelles, là, comme dans d'une vingtaine de minutes peut-être, là, peut-être une demi-heure max. Fait que là, j'ai comme pas envie de me coucher, parce que j'aurais envie de faire une petite sieste. Fait que, ah, t'es fatigante! Oh! Espèce de folle. Elle, ça, genre, tu sais, elle mange tout le temps ma viande, comme je vous ai expliqué, là. Puis là, elle faisait plus parce qu'elle avait trop peur de venir dans la cuisine, puis tout à cause du chien.
Mais là, quand je viens dans sa cage, elle rentre, elle prend son aise, puis elle va dans la cuisine, puis tout. Fait que là, elle a percé encore ma viande. Maudite nounoune. Pfff, t'es fatigante! Mais là, c'est ça que ça fait, c'est qu'elle a besoin d'attention, genre, fois un million, là. Fait que c'est ça. Fait que là-dessus, ben, je vais vous reparler tantôt, je vais vous redonner des nouvelles. Je vais me mettre dans mon petit spot, là, cosy, assis, par terre, pour vous tout vous raconter ça. Ça risque d'être un segment de vlog un peu long, ou peut-être pas, peut-être que je regarde de faire une histoire courte avec tout ça. Hey, on va y arriver. Fait que là-dessus, on va se reparler tantôt. Salut! Il est rendu 3h40 à peu près. Puis on a enfin eu des nouvelles pour notre projet. Mais c'est ça, on a eu de la difficulté là. J'avais tourné un clip comme là, une heure qui durait 9 minutes où j'expliquais la situation. Puis je me suis rendu compte, quand j'ai eu ma réponse, j'ai fait comme... Tu sais, maintenant ça sert à quoi de chialer quand là j'ai ma réponse, tu sais. Fait qu'en tout cas, je vais recommencer. Ça me dérange pas du tout. Je suis dans un meilleur état que tout à l'heure. J'ai un grand poids là, d'enlever sur mes épaules, puis ça me fait vraiment du bien. Donc, je vous annonce notre projet maintenant que notre famille proche est tout au courant. Ben, j'ai dit famille proche, dans le sens, tu sais, genre ma soeur, le frère à Jérémy, tu sais, genre mes autres, mes tantes vont le savoir plus tard un peu. Mais là, pour le moment, on voulait le dire à tout le monde parce que dans le fond, comme moi, ma belle-sœur, elle écoute mes vidéos puis tout, je voulais pas rien dévoiler tant que j'en avais pas parlé en vrai. Puis on voulait que ça soit comme confirmé et tout, puis on voulait attendre de se voir pour que je lui dise. Donc, vous savez que Jérémy a été, voilà, un mois en arrêt de travail pour maladie. Puis, dans le fond, il a été licencié de sa job. Parce que, pour des raisons là, que je ne nommerai pas, parce que ça, c'est pas pour être méchante, mais ça ne vous regarde pas. Donc, on a décidé tout simplement de refaire notre vie, puis on a décidé de déménager loin de chez nous. Donc, notre projet, c'est qu'on déménage à Gatineau! On va retrouver ma belle-maman, puis ça va faire un bon coup de pouce avec les enfants et tout aussi. On le voit pas juste par rapport à ça, là. Simplement qu'on voulait se rapprocher d'elle parce qu'on est allé de faire la route, puis on veut l'avoir le plus souvent possible, autant qu'elle veut nous voir le plus souvent possible. Puis ça donne pas toujours, puis partir là-bas, c'est beaucoup d'organisation avec les enfants, les chiens et tout. Donc, Jérémy, quand il a été licencié, il a décidé de regarder des emplois à Gatineau. Puis justement, la fin de semaine qu'on était là à Gatineau, là, la semaine passée, je vous disais que Jérémy pouvait pas partir avant lundi, parce que Jérémy avait une entrevue. Lundi matin. Donc, il a été engagé, donc c'est pour ça que je vous en parle. On le sait depuis une semaine là, qu'il est engagé. Même plus que ça. Mais non, il a passé une entrevue genre lundi qui vient de passer. C'est pas une semaine. En tout cas, ça fait genre 4-5 jours qu'on est au courant qu'il est engagé. Donc, on a été visiter pendant qu'on était là-bas un semi-détaché, une maison, un semi-détaché, là, vous savez ce que c'est, qui était à louer avec option d'achat. Donc nous, ce qui faisait vraiment notre bonheur, c'était exactement ça parce que on veut commencer par voir si on aime le quartier, si on aime où on est et tout avant de faire comme ok oui on achète ou whatever, tu sais. On voulait pas comme acheter sans savoir. Donc voilà. Fait que là on va déménager là-bas sûrement là, le 1er avril, mais je suis pas mal convaincue. Et on a eu notre réponse enfin après comme 4 jours, parce que pour l'enquête de crédit, c'était extrêmement long. Mais là, il nous a rappelé, mais on a besoin de d'autres papiers, en fait. Là, on a besoin de... En tout cas, c'est ça. Donc là, ça va aller, là, la réponse, là, le comme oui, on signe un bail, ça va aller à maximum mercredi prochain. Donc, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Fait qu'on déménage à Gatineau. J'ai hâte de vous emmener avec moi dans tout ce processus-là qui va être de sous-louer mon appartement, mais il y a quelqu'un de vraiment, 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 vraiment intéressé. Puis lui, il essaie de sous-louer le sien aussi. Donc, il y a une visite mardi. Puis la fille qui va venir visiter, elle veut vraiment, vraiment son loyer. Fait que on espère pour lui que ça va fonctionner, pour qu'il puisse après ça faire les démarches pour lui déménager ici. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je vais vous emmener dans tout ce processus-là qui est de faire les boîtes, d'aller
le déménagement, c'est sûr que je vais faire genre un house tour quand la maison va sûrement être vide, là, parce que... Ben quoi qu'il y a un coup plein. Moi, on est pas du genre, moi puis Jérémy, à laisser traîner des boîtes pendant des semaines, là. Genre, quand on déménage, là, mettons, on déménage le samedi, là, ben genre le lundi, il y a plus une boîte dans la maison, puis tout est défaite, là. Je vous jure, on est des machines, là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai hâte de vous embarquer, de vous emmener là-dedans. Je suis contente d'enfin vous l'avoir dit, puis de plus comme vous rien vous cacher. Parce que tu sais, des fois, c'est un peu dur de faire comme ah oh, ouais, on s'en va faire ça. Tu sais, comme l'autre fois, on a fait le gros ménage à la maison, puis tout. Puis là, je dis, ah, il y a du monde qui vient asseoir, mais c'était la visite. Tu sais, c'est le gars qui venait visiter, puis tout. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est dit. Donc, je vais vous redonner des nouvelles, là, c'est sûr, à la mi de la semaine prochaine, là, les entours de mardi, mercredi. Pour tout vous confirmer ça, puis vous dire qu'on va aller signer notre bail et tout et tout. Puis, on s'en va passer toute la semaine de relâche à Gatineau, vu que Zach est en congé. Jérémy commence à travailler cette semaine-là, puis ma belle-mère a une semaine de vacances dans la semaine de relâche. Fait qu'on va aller passer la semaine-là. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Là, ça a pris comme 5 minutes et demie, puis je suis pas mal plus de bonne humeur que dans mon 9 minutes d'avant. Fait que c'est ça. Fait que on va se reparler tantôt. Je vais sûrement commencer le souper pas trop tard, j'ai quand même faim. Fait qu'on se reparle tantôt! Salut, il est rendu 6h30. On s'apprête à partir, on va aller au chocolat favori. C'est une petite récompense que moi et Jérémy, on a pensé se prendre dû au fait que on a eu une vraiment grosse journée. Les enfants ont été pénibles du début à la fin. On vient d'habiller Jackson, de mettre un pyjama sur son manteau. Il a pleuré tout le long. Tout le long du souper, il a pleuré aussi. Fait qu'écoutez, disons on est comme bien off, fait qu'on s'est dit, garde, samedi, on va aller se payer un petit luxe, puis on va aller au chocolat favori, puis moi, je vais goûter le nouveau cornet Nanaimo. Fait que c'est ça, fait qu'on va s'en parler tantôt. On est arrivé au chocolat favori. Jackson s'est enfin endormi, genre, ça y a pris comme une 15-20 minutes, genre, s'endormir en partant de la maison. C'était vraiment long. Parce que là, il réussit à s'endormir, puis là, Zach, il gossait, genre. Fait que c'est sûr. Fait que. Hi, mon dieu! Et. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il se park là. Je pense qu'il n'y avait même pas de parking. Je suis là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est dans le cul de l'autre? Fait que. C'est sûr. Fait que moi, je vais prendre un cornet d'Anaïmo que je vais vous montrer quand je vais l'avoir. Puis Zach, vu qu'il a mangé une banane, quand on lui avait dit qu'on s'en venait ici, ben, il va prendre un cornet. Bébé. Bébé, oui. Au lieu de tester comme. Ici, t'as comme grand, moyen, petit, mini, puis bébé. Fait qu'il va prendre un cornet bébé. Fait que. C'est ça. Des bébés, c'est comme un grand. C'est genre. T'as le cornet, mettons, de même. Oui. Puis t'as peut-être. C'est peut-être gros de même. Ah, c'est mais, ouais, mais ça va être bien en masse. Fait que là, je suis bien contente que Jackson se soit endormi. Vous avez même pas idée à quel point, genre, la journée, c'était de la merde. Jackson a pleuré du début à la fin de la journée, ou presque, là, pour vrai. Puis genre, comme vous savez, il commence à dire non. Je dis, vous savez, je sais même pas si je vous l'ai déjà montré. Mais il dit genre, oh non, oh non, non, non. Mais il a passé la journée à dire ça. En riant, en pleurant, en, genre, name it, là. Fait que c'est sûr. Fait que là, j'ai une petite pause. Je suis contente. Fait que là, j'ai dit, on sort-tu pour aller manger en dedans? J'étais comme, forget it, man. Je le réveille pas. Fait que c'est sûr. Fait que je vais vous montrer mon cornet. Oh wow, comme c'est beau! Jackson vient de se réveiller. Super! Salut! Il est 9h30. Ça fait un bon moment qu'on est revenu à la maison, là, vraiment. Ça fait comme 2h. Puis je suis allée dans le bain. J'ai été passé après 1h dans le bain. 1h15, ça a vraiment fait du bien. J'ai les doigts ratatinés, là. Je sais pas si vous pouvez voir, là, mais c'est fou, là, comment, genre, j'ai les doigts ratatinés. Fait que c'est sûr, je m'en venais avec toutes des vidéos, je pense, ou... J'ai quasiment le goût de me coucher tout de suite, mais c'est parce que déjà que j'ai la difficulté à dormir. Ben là, je vous dirais que, genre, mon stress est vraiment comme... Tu sais, c'est vraiment descendu, là. Fait que peut-être que je vais avoir plus de facilité à dormir cette nuit, j'aimerais ça, ça ferait du bien. Puis c'est ça, fait que je vais essayer de toffer au moins genre jusqu'à 10h, 10h30 pour avoir une bonne nuit de sommeil. Aussitôt qu'on est arrivé, on a été coucher les gars. Genre, Zach essaie de se négocier du temps, j'étais comme « No way, tu vas te coucher ». On a même genre skippé les bains pis tout là, parce que j'étais comme « No way, je vous laisse pas debout tous les deux là ». Fait que, puis je vous l'ai pas dit. Ben, vous l'avez entendu.
Ben, ah oui, je l'ai dit, genre, Jackson s'est réveillé quand Jérémy a ouvert la porte, genre, après être allé chercher les cornets. Puis il a pas redormi jusqu'à chez nous, dans le fond, fait que... Il avait comme fait une sieste, là, tu sais, fait qu'il pétait le feu, mais on était allé nous coucher, puis il a dormi. Fait qu'on était comme bien contents. Puis c'est sûr. Fait que, je pense que là-dessus, je vais vous dire bonne nuit déjà, parce que je ferai pas grand-chose, puis comme je vous dis, je suis vraiment fatiguée, fait que j'ai peur de pas encore conclure le vlog, comme genre les deux derniers jours, là. Fait que ça va être ça. Demain, on n'a rien de prévu. Ben, il faut aller acheter un verre à paille pour Jackson parce que Jérémy a été à l'épicerie. Ben, il voulait aller à la pharmacie, mais la pharmacie ferme à 5h. Fait que là, il est à l'épicerie. Puis là, il dit: ah, mais il y a un verre, tu sais, avec une paille, nanana, mais c'est pour enfants. J'étais comme: non, 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 oublie ça, là. Il faut un pour bébé, là, parce que sinon, Jackson va juste boire, genre. C'était comme une bouteille dure, comme wavy, avec un bouchon qui fermait, puis la paille, elle partait comme. C'est du bas du verre, puis elle faisait comme une affaire de même, le cheveu, vous savez de quoi je parle. Fait qu'il voulait y acheter ça. J'étais comme: non, 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 il va avoir de l'eau puis du jus partout chez nous. Fait que je dis: on va prendre, demain on va prendre le temps, on va aller à la pharmacie, on va aller chercher ça. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Fait que là-dessus, je vous souhaite bonne nuit, puis on se revoit demain. Bye!